Bonjour et tout, bonjour mes amis, ravi de retrouver dans un point. On va voir fonction texte de Microsoft Excel. On va faire droite, bédo, on va faire le nombre des lettres qu'on va extraire à partir de la droite du B2. Sur point 2, on va faire égal ER. Si le B2 se termine par ER, voilà, c'est vrai. Sinon, c'est faux. C'est une clé qu'on copie la formule en bas. Donc, si on a la fin ER, c'est vrai. Sinon, c'est faux. On va utiliser la fonction si. Ici, on va faire égal si F2, point virgule, ça veut dire s'il est vrai. On va mettre le terme arrivé, bien le mot arrivé. Sinon, on va prendre la cellule B2. Et voilà, on copie la formule avec un double clic. Et voilà, on a les arrivées, sinon B2. Ça, c'est pour fonction si et fonction droite. On peut utiliser la fonction gauche. Et ici, on va mettre le nombre de chiffres. On va mettre 8 au lieu de 2, et ER, on va faire arriver. Et voilà, on fait un double clic. Et la formule est le copier en bas. Pour copier ces valeurs-là, on fait clic droit, on les déplace. Et on choisit copier les valeurs. Attention, clic droit et non clic gauche. Copier les valeurs. Copier les valeurs. Selon, on déplace les données. Si on déplace sur la colonne B, on écrase les données. Et voilà, nous avons les données. On peut enlever la colonne F. On peut changer le format texte de la colonne B. On peut changer le format texte de la colonne B. Merci pour votre attention. Merci de vous avoir suivi. Merci de vous avoir l'occasion pour recevoir des vidéos télévisées.